Eh bien, bonjour à tous, c'est Skylor, et bienvenue pour la suite de Final Fantasy VII Remake. Et la dernière fois, on a eu des cuisantes défaites envers Shiva. Mais, ce coup-ci, je vous propose de recommencer. À la base, je voulais le faire hors caméra, mais je vous propose vraiment de recommencer ensemble. Parce que, oh, il est chiant avec son truc. Répéter toujours la même chose, c'est bon, caméra. Foutez-moi la paix. Je peux faire mon intro tranquille ? Attends. Allons à un endroit où il n'y a pas de bruit. Voilà, genre là. Laissez-moi faire mon intro tranquille. Je disais, Shiva, autant pour moi. On n'a pas réussi à la voir. J'ai voulu le faire hors cam et le problème c'est que j'ai préféré le faire avec vous, franchement. Et je pense, sans vouloir me vanter, la façon dont j'ai préparé mon équipement. Alors, je vous fais un petit topo de ce qui a été fait. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis la boucle d'oreille pour augmenter la magie, bien évidemment. Ici, j'ai pris l'équipement d'Aeris qui permettait d'augmenter la défense magique et qui avait en plus un slot lié. Donc, ça m'a permis en même temps de faire affinité élémentaire et glace. Donc, c'est-à-dire que toutes les glaces qu'on va recevoir, ça sera diminué de moitié. Donc, là-dessus, on sera plutôt tranquille. Si le fait d'attaquer en feu ne fait pas le taf, j'ai préféré faire l'inverse. Je me suis pris turbo la TB tout le temps. J'ai mis une analyse en même temps pour pouvoir analyser Shiva en même temps parce que je me suis rendu compte que, regardez, hop, quand on regarde au niveau du rapport de combat, il n'y a que ça. Il n'y en a plus qu'un à analyser. Donc vu que Shiva on l'a pas analysé, bah, je vais en profiter. Et et qu'est-ce que j'ai mis aussi? J'ai mis feu, parce que forcément, si elle est en état de choc ou un truc comme ça, tu mets un méga feu dans la tronche, ça c'est tout de suite réglé. Ce que j'aimerais aussi dans l'immédiat, c'est changer d'épée, parce que celle-là, elle fait beaucoup plus de dégâts magiques. Donc on va la prendre, parce que 6 de dégâts en moins pour 10 d'énergie magique en plus. Moi, je vais pas dire non. Bon, on est prêt. Cloud, mais à mon avis, ce coup-ci... Très bien. Équipez-vous du simulateur de combat portable, s'il vous plaît. Pas de soucis. Là, c'est bon. Je suis chaud, là. Bonjour, ma belle. Alors, comment tu... Aïe, aïe, aïe. Alors, on va faire ça déjà. Idéalement... Oh, j'ai pas pris le sort de... Oh, je suis trop con. J'ai pas pris le sort barrière. Qui était sans doute très indispensable. Allez, on augmente moitié de barre de choc. On va être bien. Alors, qu'est-ce que tu me fais? C'est pas grave, ça me fait pas mal. On continue, tu vas pas me stun avec ton truc là. Je n'oublie pas, elle est tout le temps en train de nous stun. Hein. Voilà. On va continuer avec un choc transperçant. Idéalement, on va lui refaire un sort de feu. Voilà, parfait. Allez, grimpe. Grimpe encore. Ça m'a mis un gel, du coup, c'était... peut-être pas maintenant. Ah si, si, c'est possible. Choc transperçant. Ça l'a pas encore mis en état de choc. C'est bon. Alors là, on va bourrer. C'est le moment d'en finir. Et idéalement, c'est à ces moments-là qu'il faut faire méga feu. Ah, ça dure longtemps, hein. On va lui refaire un choc transperçant. Midlife. Et Ifrit est en train de se pointer.
Ah oh. Oh, je suis dégoûté de pas avoir pris Non. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas tant mal que ça. Faisons autrement. Voilà, invocation Ifrit. Allez, viens ma grosse. On t'attendait depuis le temps. Voilà, ça c'est bon. Bonjour. Alors, maintenant on va plus s'amuser là. On va économiser les barres ATB histoire que Ifrit y fasse le taf, mais comme il faut. Voilà, là il en a deux. Éruption de flamme. A tout de suite, tu fais moi la même, Inna. On va encore économiser pour éruption enflammée. Voilà. Éruption de flamme, autant pour moi. Ah bah oui, tu m'étonnes, ça va aller vite. Poussière de diamant. Bon, oh, c'est pas très grave ça. Ah! Pas très grave, ça dépend. Ok, bon. On va la terminer. Ifrit, vas-y. Déjà fini. Nous remercions Ifrit. C'est formidable. Tu as fait le la taf. Materia de Shiva est achevée. Ah, j'ai pas fait analyse. Cette materia d'invocation est pour vous. Prenez-la. Le froid sourire de la reine des glaces est parfait pour vous, selon moi. Gardez-la précieusement avec vous jusqu'au jour où la Shinra sera vaincue. T'inquiète, mon gars. Et voilà. Alors, elle fait plus sa maligne maintenant, hein. Ah là 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 là. J'espère que vous continuerez de m'aider ouais, en récoltant soucis, les données. Sauf que j'ai complètement oublié quelque chose. Cloud, je compte sur vous. Relance sa mission VR Shiva. J'ai complètement oublié de l'analyser. Équipez-vous du simulateur de combat portable, s'il vous plaît. Allez, retournons voir Shiva. Complètement zappé. On arrive, on lance le combat, on fait l'analyse et c'est bon, c'est terminé. Non, non, je veux pas de... Bonjour, madame. Turbo ATB directement. Voilà, parfait. Alors. Voilà. Donc, le truc, il est fait. Est-ce que le fait d'abandonner le combat fait que ça garde quand même? Je suis navré, mais je sais que vous dépasserez vos limites et que vous l'emporterez. Non mais t'inquiète, j'ai déjà battu. Ah bah voilà, bah parfait. Et du coup, ça me donne une garde renforcée, merci. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Pas de soucis, mon gars. Ok, donc du coup, on a récupéré... On va remettre tout ça. Je vais faire une ellipse et je vais remettre tout ça d'aplomb juste après. Je vais juste regarder un petit peu. Du coup, on a une garde renforcée. Réduit un peu les dégâts de garde. Et augmente un peu la barre ETB. C'est-à-dire que quand on garde, on... Ouh. Ça, c'est divin, ça. C'est ce qu'on attendait depuis un petit moment. Hein. Ça, c'est divin. Ouais. Ah, j'aurais pu faire magie augmentée. Hein. Bon. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une ellipse. Je vais remettre tout d'aplomb, rééquiper Iris comme il faut, parce que je vais piquer les matériaux, les trucs, les machins. Bref. Je me remets d'aplomb et je reviens vers vous. A tout de suite. Voilà. Du coup, j'ai rééquipé. Je les ai équipés. Alors, ce coup-ci, j'ai mis l'équipement avec. Même si ça fait pas beaucoup de défense, j'ai préféré privilégier ça. Elle, je l'ai toujours mis Karduk. Lui, du coup, je lui ai mis Shiva. Ça, au moins, il n'y aura pas de soucis. Je lui ai remis l'affinité glace et feu. Turbo ATB, l'analyse toujours, ça ne sert à rien d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai mis, je suis désolé, débile. Ce qu'on va faire plutôt, parce que j'ai mis la garde,
repartir sur un PV augmenté quand même. Voilà, comme ça là on est bien. La garde renforcée parce que ça a l'air divin. Turbo ATB divin, et puis les deux. Hein. Puis elle a toujours sa prière, foudre, résurrection, soin. Même s'il y a prière, je préférais mettre soin quand même. Magie augmentée, BM augmentée. Parce que, vu que c'est la majo, c'est la majo. Alors, du coup, on a dit. Déjà, on va aller sur la table. Alors, voyons. Je devrais peut-être pas m'en aller comme ça. D'accord, ok. Bon. Si je veux absolument faire quelque chose, il me faut Iris. Ok, d'accord. On va retourner voir Iris. Voilà. En espérant qu'on soit un petit peu plus libre. Surtout qu'on aille. Qu'on puisse attaquer. Un petit problème dans le repère des enfants. Un homme en noir est entré dans notre base secrète. Il a fait peur à mes amis. Ils sont allés dans la vallée. Un Turc ? Non, j'ai pas l'impression. C'est l'homme au manteau tout abîmé. Il marche toujours tout doucement dans les rues du bidonville. Il a l'air très malade. Et puis, il a un chiffre écrit sur le bras. C'est plutôt inquiétant. Je vais aller voir ça. Je viens avec toi. Je connais un homme comme ça. Ok. Par ici! Un homme en noir! Avec un chiffre. Réunion? Ça, c'est bon, ça. Ouais? Cette exploration spéciale contre le gars. J'ai trop envie de refaire ça. Ah, j'adore. Je trouve ça bizarre qu'on en parle. Aussitôt, on n'est pas censé en parler aussitôt. Ah, tu m'emmènes dans ta cabane du coup. Dépêchez-vous. Ah bah parfait. Voilà. C'est ici le repère des enfants. Normalement, les adultes n'ont pas le droit d'entrer. Voilà, y a pas le choix. Hein. Je suis désolé. Y a pas vraiment le choix. Ok. Où ton gadget? Hot. T'es enfin revenu. J'ai ramené Aerys avec moi. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver vos amis. Oui, mais il y a plein de monstres là-bas. Tout ira bien. Cloud va m'aider. Il est vraiment très très fort. Je suis un ancien soldat. Où est l'homme en noir? Je sais pas. Il est parti sans qu'on s'en rende compte. Pour l'instant, occupons-nous plutôt des enfants. Venez. Pas de soucis. Moi, je m'occupe de ça. Dépêchez-vous de Il y a des ennemis et tout machin, c'est pas un problème. T'as vu ce que j'ai derrière le dos, toi? Ils sont partis par là. Soyez prudents. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Je me demande où ils sont passés. Alors, avec les enfants, on peut jamais savoir. Il faut chercher partout. Oui, ne perdons pas de temps. Bonjour, monsieur. Je suis devenu très très fort. J'ai oublié de vous dire. Oh, bien de niveau, mon gars. C'est fini, enfant. Bam! C'est bon quand ça s'arrête. Idéalement, j'aimerais voir. J'aimerais voir comment Aerys fait vraiment des dégâts en fait. Ça serait pas mal. Ah, bah ça fait plaisir. Bonjour! Attends, on va regarder Aerys. On va faire des. Ah, la magie! Puis on va faire un extra foudre, histoire de voir. Oui, effectivement. Voilà. Encore. Ah, je veux regarder sa compétence, si elle est vraiment si efficace que ça. Ah ouais, non, mais c'est de fou.
Bref. Tu veux que je reste à l'écart? Laisse-moi faire. Alors. Ah. En avant. Je voulais m'amuser, moi. Moi, je veux passer par là d'abord. Ah, déjà. Une potion, une queue de phénix. Ça, c'est relativement divin. Ok. Ah! Une méga potion, il y a... faut que j'en rachète. Hein. Parce que j'en ai bouffé pas mal contre le robot. Faut vraiment que j'en rachète. Ah, ils sont là-bas. Ah, avec des monstres. Ne te fais pas repérer. Bah écoute, allons-y. Allez. C'est pas ces monstres-là qui vont nous faire peur. Bonjour. Ah, ils sont tous en faiblesse glace, ça c'est bon ça. Adieu. Voilà. Ah, il y en a encore. Oh bah. Écoute. Adieu. Eh. On va se calmer, oui. Voilà. Ah, il y en a encore. Bon bah écoute. Prochainement. Ah non, aucune cible. Ah, ils sont pas encore arrivés. Ok. Bon, écoutez les gars. Vous êtes mignons, mais au bout d'un moment, on a du taf. Trop facile. On va refaire encore. Oh, c'est plaisir. Eh, pas Iris, quoi. Voilà. Oula. La faciale cassée pris. Ça va, Iris? Allons-y. Oh, la faciale. Mais... Alors. Tut. Oh, toi, tu vas te réveiller. Nani. Bon, bah, il va se réveiller au retour. C'est pas grave, j'ai calé Aeris avec un bon petit truc. Toi, tu vas te réveiller. Hey, salut les gars là. Ouais, t'inquiète. On n'est pas pressé. Dis-moi, Iris, est-ce que tu peux taper une tempête? Enfin, voilà. Une tempête, s'il te plaît. Merci. Et idéalement, faire un coup de extra foudre sur ce trou du cul. Voilà, comme ça, c'est réglé. Pourquoi une petite pause? Alors, choc transperçant. Ah! Pas prévu ça. D'accord, nickel. Faites-moi rappeler que les raccourcis, il faut jamais les prendre. À toi de t'en occuper. Il faudrait peut-être que je me soigne. Oui, il faudrait peut-être te soigner un petit peu. Pour ça, il faudrait un petit peu. Attends, déjà, on va faire un soin sur toi parce que tu vas mourir sinon. Bien joué. Comment j'ai pu laisser faire ça? Bien joué. Très bien joué. Très bien joué, je... J'ai fait de la merde contre des mobs. Bon, j'ai voulu faire le malin, c'est terminé. Vous avez voulu faire la merde? Ok, d'accord, y a pas de soucis. J'ai aphasie, je m'en bats des steaks. Enchaînement rapide. Bonjour, monsieur. C'est pas grave. Voilà, comme ça on va faire ça. Bien sûr, j'adore quand il coupe le truc directement. Là! Voilà! Eh, vous! Ça va faire mal. Non, il est hors de question que vous faites quoi que ce soit. Alors, idéalement, faudrait faire un enchaînement rapide, histoire de le bordel. Ah, encore un trou du cul. Allez, Iris, ça te dirait de lui caler un extra foot dans sa tronche? Je te laisse faire. Ça me va. Allez, bonne nuit. Ah. Alors, on va te caler un enchaînement rapide. Là. C'est incroyable. Très bien. On va augmenter.
continue d'augmenter. On fait un choc. Plus. Ah. Mal. Ah, j'avais pas vu. Ah, Iris, s'il te plaît. Mais pourquoi je fais ça? C'est tendu. Tu peux me faire un extra soin directement dessus. Merci. Est-ce que tu peux refaire encore un extra soin? Un extra soin sur toi. Non, parce que j'ai fait le malin, mais au final... Voilà, toi tu t'en fous, tu peux gagner des PM, on s'en fiche. Alors les gamins! Attends! C'est devenu très instable un peu partout! C'est sûrement dû à l'explosion du réacteur Mako. Je m'en occupe. Allons-y. Merci beaucoup. Quelle classe! Allez, on s'en va. Claude. Tout le monde qui dit que t'as la classe, profite-en. Est-ce qu'il y a des choses encore à vérifier? Pourquoi tu marches? Ah, quand même. Non, mais non, mais... D'accord, ok, d'accord. La route en scénario. On peut pas s'amuser. Franchement, vous voulez augmenter le gameplay, laissez-nous nous amuser, parce que... Voilà, il va se relever, à coup sûr. Aïe, c'était sûr. Ok, il s'est perdu un petit peu. Bien sûr, il me... ça. Hop là. Voilà, on va taper un choc 30%. Plus une âme brave. Voilà. Évolution prière. Ça, c'est bon. Comment tu fais pour être si fort? Il s'est entraîné. Cloud était soldat avant. Mais... C'est bien vrai. Arrête de cafeter, ouais. La guerre, alors? C'est un secret. Oh. Mais c'est chiant de marcher. Arrêtez de me laisser marcher. Laissez-moi courir. M'amuser. Gambader dans les prés. Donc, il va y en avoir encore un deuxième, je suppose. Allez, on y va, les enfants. On avance, on avance, on avance. Allez. Allez, allez, allez. Regarde, il y a encore un autre endroit. Qui? Je me tourne les pouces. Oh, bonjour. La pari qui est bien passée encore une fois. Oh, comment tu me contre... Oh, 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 oh. Tu vas te calmer, Géraldine, là. Voilà. C'était moi aussi, d'avance. Quand je serai grand, je serai soldat. Ouais, bah... C'est pas aussi facile, ouais, c'est ce que j'allais dire. De devenir soldat. Ah, c'est par là. Pas vrai, Cloud? Mais non, tu dis n'importe quoi. Hein, Cloud? Ce qui est sûr, c'est que t'as la cote. C'était vraiment génial. Merci. Ching, ching. Au moins, vous... Au moins, vous êtes amusé, hein. C'était impressionnant. C'est pas ça du tout. Non. Par contre, taisez-vous, les gamins. Arrêtez! Stop! Disons, non! Ching, ching. Faites pas une surenchère! Oui, ching, ching. Mais vous avez c'est fini ça. De meubler, ouais! Ça, hein, Cloud? N'est-ce pas, Cloud? Oh. C'est mignon, les gamins, mais. Ça va s'arrêter au bout d'un moment! C'est par ici! Tifa, attends-nous! Tifa! Tifa. Tifa? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tifa, c'est le nom de ta petite amie? Mais non. J'ai touché une corde sensible. C'est pas ce que tu crois. Oublie. J'aurais du mal à t'expliquer. Je vois. Bah bravo, tu spoiles tout, toi.
Allez, allons-y. Quoi, chute ? C'est... Oui ? Non mais... Ils sont mignons, ces enfants. Merci. La prochaine fois que vous avez un problème, surtout prévenez tout de suite un adulte. Oui, promis. Tiens, c'est pour nous avoir aidés. Tous les deux, même si vous êtes des adultes, vous êtes nos copains désormais. Alors venez nous voir quand vous voulez. Merci mon gars, il m'a offert un bouclier fait main. Ouais. Ça fait quoi le bouclier fait main? Inventaire. Objet clé. Ouais. Ok. Ça me permet d'avoir accès à cette zone. Oh. Reste ici. Merci. Bon, cette zone n'a pas l'air très très grande. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Attends. Il y a un homme avec les mêmes symptômes dans la partie à côté du mien. Tiens, c'est quoi ça? Un tatouage. Mais j'y pense. Réunion. Tu n'as rien à craindre de moi. Ça va aller. Cloud, ça va aller. Iris, est-ce que tu connais Sephiroth? Le héros? Il est célèbre. Il y a 5 ans, il est mort dans un accident. Ils l'ont annoncé aux infos. En fait, il est peut-être encore vivant. Ce serait étonnant. Bon, allons-y. Pourquoi elle a l'air énervée? C'est que je ne viens pas de cette planète. Quoi? Ça te dirait pas de travailler un peu comme mercenaire? On fait des patrouilles, tu sais. Et du coup, on obtient pas mal d'informations. Il y en a qui pourraient te permettre d'offrir tes services. J'ai bien envie de faire ça, moi. En plus, on a encore le temps. J'ai déjà un travail. Je suis sûre que tu peux en faire deux à la fois. J'obtiens pas mal d'informations. Alors n'hésite pas à venir me voir. Qu'est-ce que c'est que ce gosse? Ah! Ok! Ah! Je crois bien que je vois un manque! Vous arrivez à me voir, Cooper? Mais alors ça veut dire que vous êtes des gens hors du commun? Dans ce cas, soyez les bienvenus à la boutique Mog! Moi, je suis le gérant, Moggy. Ça vient des aventures de Momog le Mog. Un conte pour enfants, qui est très populaire. C'est l'histoire d'un esprit de la forêt appelé Momog, qui ouvre une boutique pour rendre heureux tout le monde. Exactement! C'est par admiration pour Momog que j'ai ouvert mon magasin, Coupo. Nous autres, les Mog, nous sommes seulement visibles aux yeux des gens au cœur pur, Coupo. Vraiment? Même quelqu'un comme moi? À vrai dire, je préfère pas répondre à cette question. Les articles que nous avons rassemblés sont tous magnifiques et uniques, Coupo. Je vous les échange contre des médailles Mog, mais avant ça, il faut devenir membre, Coupo. Eh ben voilà, on a trouvé! La carte membre. Donc c'est une médaille. Ah mais j'en ai combien? Ah j'en ai 17. Oh bah on est bien. Ok, je l'ai. Ok. Donc il faut que je te la montre, c'est ça? Si vous trouvez des médailles Mog, je compte sur vous pour venir me voir, Coupo. Dis, Moggy, qu'est-ce que tu comptes faire avec toutes ces médailles? Je vais bien sûr les utiliser pour rendre tout le monde heureux. C'est le rôle des Mog après tout, Coupo. C'est tout comme dans les aventures de Momog, pas vrai? Parfait, on a une nouvelle boutique, mon gars. Continuons comme ça, monsieur le mercenaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'es vraiment très motivé. Bah oui, c'est plutôt normal, non? On fait pas ça pour s'amuser. C'est sérieux. Hein? Hein? C'est justement pour ça que je suis motivé, moi. C'est vrai. Il y a des gens qui pensent comme ça.
Eh bien, moi, je fais partie de ces gens. Je suis comme ça. Ouais, c'est bien, mais en attendant, il y a une boutique. Bonjour, Coupeau. Alors, déjà, ça, c'est divin. Merci. Des déserts, c'est gratuit. Attends, inventaire. Ah non, deux médailles. Le bâton d'argent. Ouais, mais je suis obligé de le prendre. Parce que je l'avais pas. Ça, j'en ai pas. Permet de commencer le combat avec une jauge d'ATB remplie. Augmente l'effet de soin sur le personnage en combat. Non mais c'est pété de ouf. Attends, déjà ça c'est pété. La clé du cimetière. Mais what the fuck. Augmente les points d'attitude de Cloud, de Barrett. Ah non mais ça c'est ça après c'est pété. Ok bah écoute c'est bon. Merci beaucoup. Grâce à vous, je commence à avoir plein de médailles, Coupeau. Je sens que je commence à avoir le pouvoir de rendre les gens heureux, Coupeau. Tant mieux pour toi. Allez, Cloud, essaie d'être un peu plus joyeux. Ok. Tiens, essaie de me rendre heureux pour voir. Que je m'amuse et que je puisse rire, moi aussi. J'ai pas encore assez de médailles, Coupeau. Oh là là, mais c'est grave, ça. Cloud, il faut qu'on aille en chercher. Bon courage, Coupeau. Ouais, bon, je m'en fous, moi j'ai réussi à avoir. Bienvenue dans ma boutique. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui viennent d'arriver? Non, ok. Je suis content d'avoir rendu service, Coupeau. Allez, on se casse. On se casse, on va équiper le bâton d'Aéris. On va faire en sorte qu'il soit renforcé. Et après, je pense qu'on va se laisser là. On va faire encore un bel épisode. Alors, d'abord, équipement à Iris. Ouais, mais elle a pas encore le... Ah, il faut faire saut sacré à mort. Faut l'utiliser. Déjà, on va la passer en mode réglage de combat. On va la définir en chef de groupe. Comme ça, au moins, je vais pouvoir l'utiliser. Et on va améliorer son autre bâton. Amélioration d'armes, celui-là. Alors. Oui. Ah, mais c'est toujours la belle chose, c'est toujours. Oh, emplacement de matériel. Ça, c'est divin, ça. Ok. Attaque magique plus 10, PV max, MP max, bah, on va tout prendre d'ici, hein. Hop, tac. Ça aussi. Et ça aussi. Ok. Et ici. Feu gaz fou de vendre. Bah écoute, on va partir sur une glace. Foudre aussi, parce que je l'ai. Et le reste, ça pourra pas le faire. Oh mais elle est divine cette. Par rapport à l'autre. Ah ouais. Ah, c'est une attaque magique autour de soi. BOUM! Et ça, le saut qui permet de lancer deux fois de suite un sort offensif. Mais ça, c'est... Activer l'effet une seule fois pendant la durée. Il va falloir vraiment commencer à augmenter Aéris. Enfin, bref. Bon, voilà. L'épisode a fait encore une bonne durée. Moi, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on a battu Aéris tout seul. On a battu Shiva tout seul. Désolé. Mais, je suis assez content de moi, quand même. Enfin, bref. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Final Fantasy VII Remake. Allez, des bisous. Bye bye.